je suis Visé-Étoine, donc j'habite à Visé avec mes deux enfants, mariés. Et je travaille à Christney depuis 1992. C'est mon premier emploi. J'ai quitté l'université et sans connaître la société, j'ai été engagé ici et j'ai poussé la porte un matin du mois de novembre et je ne l'ai jamais quitté depuis 29 ans. Ben voilà, je travaille donc chez Colas. Colas est arrivé en 1973 ici sur le site de Christney. Bon, ça ne s'appelait pas Colas, c'était l'entreprise Matagne à l'époque, une entreprise familiale. Entreprise familiale qui a rejoint un groupe international. Et donc on est depuis 1973 sur le site. Ça a changé. Donc de Matagne, on est devenu Colas. Moi, c'est mon premier employeur, mais bon, employeur qui est mondialement connu hein, par la profession. On fait des routes, de l'infrastructure, donc routes, autoroutes, aéroports. Au départ de nos installations ici de Christney où on a une centrale à béton, on est également présent à Serein, mais le groupe dispose aussi d'infrastructures un peu partout en Belgique. Donc on est capable de travailler avec nos filiales décentralisées, qu'elles soient à Tournai, qu'elles soient à Zolder, qu'elles soient à Bruxelles, d'effectuer des travaux d'envergure avec mes collègues. On est bien ici à Christney, facile d'accès parce que proche des autoroutes, spacieux pour nos activités routières et on s'y sort bien, moi je m'y sors bien depuis bientôt 30 ans. Dans l'ADN de la boîte, il y a deux métiers vraiment de prédilection, c'est la pose du béton, donc on le fabrique, on le pose nous-mêmes, et surtout la pose d'hydrocarboné, donc ce qu'on appelle dans le jargon le tarmac. Donc on en fabrique à Villers-le-Bouillet, à Feluy, et donc on a énormément d'équipes de pose. Donc on est spécialisé aussi bien dans les marchés publics, donc les communes, hein, comme la commune de Christney, le SPOE, les intercommunales, mais également une forte présence dans le marché privé, donc avec des commerciaux qui développent tout un tissu de relations avec les architectes, nos clients privés, qu'ils soient grande surface, retail, qu'ils soient plutôt dans les immobilières ou l'industrie. Donc on est vraiment un peu présent partout. On est capable de faire des chantiers, comme je le disais tout à l'heure, d'envergure, comme un aéroport, et faire également un abord d'école ou un abord d'une grande surface. On est proche de la commune de Christney, effectivement, puisqu'on y est depuis toujours. D'abord, j'ai beaucoup de collègues qui habitent la commune, donc commune que je ne connaissais pas hein, auparavant, mais voilà, qui m'ont fait découvrir. En 29 ans, la commune a bien changé pour moi, hein, de quelques maisons au bord des grandes routes. Maintenant, c'est devenu vraiment un énorme village avec des commerces de proximité, ce qui fait que pour nous, c'est aussi un avantage. On a tout ce qu'il faut là où il faut. Alors, ce qui est comique avec le temps, c'est qu'on était ici une des salles d'installation industrielle de Christney, avec notre voisin Ronvaux. Et puis au fil du temps, et un petit peu le hasard, la commune est venue s'installer juste à côté de mon bureau. Donc maintenant, un de mes voisins, c'est un peu le bourgmestre. Ah, si je n'avais pas travaillé ici à Christney, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai fait mes études à Juppie, à côté de chez Jupiler. J'ai toujours été un fan de la bière, je crois que j'aurais tenu un café. Voilà, encore passé, j'espère, de bonnes années à Christney, de longues années d'abord professionnelles avec mes collègues, l'entreprise, que l'entreprise soit pérenne. Et puis aussi passer de bons moments à Christney, puisque Christney, c'est quand même une petite commune festive. On travaille avec les Christnéens, comme David Remakert, et surtout le célèbre David Sladen, bien connu des Christnéens et du village de Noël. Bien le bonjour, donc n'oubliez pas la prochaine édition de notre village de Noël de Christney le 16, 17, 18 et 19 décembre, organisation des 2D, donc David Remakert, c'est David Sladen, collaborateur, ami et associé dans le festif ici à Christney et dans d'autres événements. Voilà. Et Colas sera peut-être un peu le sponsor. Ah, pourquoi pas.